Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est bon pour l'algorithme. Tu vois un peu? C'est très bon pour l'algorithme. Tu viens, tu prends des bonnes informations, ça te sert. N'oublie pas de liker, frérot. Faut liker, hein? Like, ça fait rien, ça te coûte rien. Une seconde seulement, tu likes, c'est bon. Aujourd'hui, on vous parle de quoi en fait? Comment créer la tension en fait? Une tension entre toi et puis une femme en fait. Tu vois un peu? Parce que c'est ce qui vous empêche en fait de sonner les boulots. C'est ça, c'est votre problème en fait. Vous ne savez pas créer. Tu causes un go une semaine, deux semaines. Après, tu vois que non, elle ne te répond plus. Après, tu vois que non, elle fait bizarre en fait. Parce que tu es lent. Tu comprends un peu? Parce que tu es lent en fait. Tu tardes. Tu comprends un peu? Parce qu'il faut que vous compreniez que les gars là aussi, elles ont envie de toi en fait. Mais elle ne va pas prendre les devants. Il y a des personnes même à qui la go montre tout. Mais il a tendance en fait à ne pas avancer. Pourquoi? Parce que tu es timide. C'est ça, je vous ai dit, la timidité, ce n'est pas une qualité. Pour un homme seulement, ce n'est pas une qualité. Parce que la timidité va te faire rater beaucoup de choses. Même les occasions, en business, en tout. La timidité va te faire rater beaucoup de choses en fait. Donc arrête d'être timide. Le problème, c'est que vous avez peur des gars là. Pourquoi est-ce que tu es intimidé par elle? Pourquoi est-ce que tu es intimidé par elle? Parce que le fait d'être intimidé par une femme, automatiquement, ça tue la tension. La tension qui doit se créer entre vous, la tension du flirt là. Automatiquement, quand tu es timide, ça tue ça. Mais par contre, ta confiance en toi, en fait, crée la tension. Parce que les gens pensent que non, le sexe, ça c'est dans la chambre. Non, hein? Laisse-moi te dire que le sexe, ça commence quand vous vous voyez même. Tu comprends un peu? Le sexe, ça commence quand vous vous voyez. Quand vous voyez, ça commence. Pourquoi ça commence? Parce que les choses même qui font que la tension sexuelle même se crée, tu sais c'est quoi? C'est en fait vos premiers contacts. Parce que tu ne peux pas regarder la go dans ses yeux. Tu ne peux pas regarder dans ses yeux, la regarder dans ses yeux pour un peu voir que lui dit ce que tu penses réellement. Tu ne peux pas faire ça en fait. Entends, le contact visuel en fait est très puissant pour créer la tension sexuelle en fait. Parce que la plupart des hommes en fait, ils voient une femme, elle est jolie, il ne peut pas la regarder dans les yeux. Il la regarde et puis après, il bouge les yeux. Il la regarde, il bouge les yeux. Elle comprend que tu n'as pas assez confiance en toi en fait. Parce que le premier moyen même pour dominer une femme, comme vous voyez, c'est comment tu la regardes. Comment il regarde dans ses yeux en fait, elle comprend que lui il est, c'est un mâle dominant, il peut me dominer, tu comprends un peu? Ça, ça crée la tension sexuelle en fait. Le silence en fait que tu dégages, tu parles pas trop, elle sent que tu es dangereux. Je sais pas, il y a des hommes qui vont savoir de quoi ils parlent, mais elle sent que tu es dangereux. Elle sent que lui là, c'est pas le genre de garçon avec qui on dort et puis on se réveille. Elle sait ça, donc elle va t'éviter. Le fait que tu sois un fruit interdit, c'est ce que les femmes apprécient le fruit interdit en fait. L'homme qui est mystérieux, elle n'arrive pas à savoir c'est qui. Elle te voit, tu parles avec assurance, mais tu ne parles pas beaucoup. Tu comprends un peu? Tu parles avec assurance, mais tu ne parles pas beaucoup. Elle entend parler de toi. Lui, là, il est dangereux. Tu sais ce qu'il fait? On dirait que les gars, c'est une énergie. C'est une énergie que tu dégages, en fait. Elles sont ça. Il y a des femmes aussi qui ont ça, en fait. Elles sont sexy. Elles ont une énergie, en fait. Quand il la voit, quand vous devez vous croiser, une certaine tension. Est-ce qu'elles ont ces gens de garçons, on respecte lui dans la maison, hein? Non, hein, on respecte lui dans la maison. Et s'il respecte lui dans la maison, forcément quelque chose va se passer. Parce que tu n'es pas un bêta. Hein. Mais tu n'es pas un bêta en fait. Tu comprends un peu? C'est une certaine énergie que tu dégages, le silence que tu fais. Mais pendant que le silence là, le silence c'est pas c'est pas la peur. Tu comprends un peu? Le silence que tu dégages, c'est pas de la timidité. Parce que les gens prennent leur timidité pour dire que non, moi je suis silencieux. Tu n'es pas silencieux, hein, tu as peur. Tu n'es pas silencieux, tu as peur. Et puis la femme s'est décelée, celui qui est silencieux, elle s'est décelée, celui qui est silencieux parce qu'il a peur, il est timide. Elle s'est décelée, celui qui ne parle pas beaucoup, parce qu'il est très dangereux. Elle s'est décelée, celui qui ne parle pas beaucoup parce qu'il est très dangereux. C'est parce qu'il est dangereux que non, il ne parle pas beaucoup. S'il ouvre sa bouche, mais il parle tout de suite, là, il va partir à moi. Tu comprends un peu? Essaie d'essayer ça, c'est une certaine énergie que tu dégages en fait. Mais ça commence par quoi? Le premier eye contact, quand vous voyez ça commencer? Quand vous voyez ça commencer, l'attention sexuelle, c'est quand vous voyez. Comment tu la regardes? Comment tu lui parles avec assurance en fait? Quand tu quittes devant quelqu'un, le gars là, il a quelque chose, hein? Il a quelque chose, hein? Ça la fatigue. Donc tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te dire que tu vois qu'il y a des femmes qui t'y causent. Tu vois un peu? Il y a des femmes avec qui tu causes. Vous parlez bien, mais quand tu es autour d'elle,
Tu n'as pas peur, tes mains se baladent, tu brises les barrières du toucher. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une tension. Et ces gens, les femmes-là, tu vas arriver à un pont, ça, la gloire te dit que non, toi là, il ne veut pas, qu'on se prenne seul. Il ne veut pas qu'on se prenne seul. Non, il ne vient pas chez toi. Pourquoi elle te dit ça? Parce qu'elle a peur. Est-ce que si lui là, on se croise dans un endroit seul là, c'est pas bon, il va partir pour moi. C'est pas bon, il va me prendre. Tu comprends un peu? Donc c'est comme ça que tu crées en fait l'attention. Il faut que tu sois en même temps mystérieux, mais en même temps dominant dans ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de parler. Il faut que tu parles avec assurance en fait. Pour ça que je vous dis, sur le dating market, ce qui compte bien, c'est la confiance que tu dégages en fait. La confiance en toi, ça crée l'assurance en fait. La confiance en toi, ça crée l'assurance, il y a une certaine énergie en fait. Et ton apparence aussi, si ton apparence va avec en fait, il y a forcément l'attention sexuelle qui se crée. Les femmes sont au fond du fruit interdit. Les femmes sont au fond du fruit interdit. Quand on dit que non, lui, il s'amusait les femmes. Non, lui, il a joué, il a brisé son cœur, il a fait tant. Les femmes apprécient ça. C'est pour ça que vous voyez que les femmes, elles apprécient. Quand tu es en relation, elles aiment ça, en fait. Il faut que tu sois un objet de désir, en fait. Un objet interdit. Quand on dit que non, lui, il ne faut pas t'amuser, lui. Tu as vu ce qu'il a fait. Elle a, vous voyez que quand tu es un enfant, les femmes aiment ça. Hein? Quand tu es un garçon, tu as des enfants, les femmes aiment ça. Elle se dit que, lui, là, non, attends. Elle veut te faire changer, en fait. Tu comprends un peu? Elle veut te faire changer. Les femmes aiment le thrill en fait de changer un homme. À quoi il s'était dit que quand tu es déjà un gentil garçon, ça perd son, elle perd son intérêt. Elle veut que tu sois méchant et puis elle va essayer de te rendre gentil. Tu comprends un peu, non? C'est ce qu'elle veut. Elle veut que tu sois méchant et puis elle va essayer de te rendre gentil. C'est comme ça? Quand elle était à Abidjan en fait, il y a une go, elle me disait comme ça que toi ce que tu dis là, est-ce que tu as tes maris un jour même? Donc, moi, au début, elle a dit que il aime me marier, mais après, elle commence à lui dire que non, moi, je ne crois pas en l'amour. Hein. Moi, je ne crois pas en l'amour même. L'amour, c'est un mythe. Non, moi, je ne pense pas qu'elle me marie. Elle a commencé à vouloir me faire. Elle veut que. Comme elle a dit, il n'est pas me marier. Tu vois, c'est qu'elle elle veut maintenant, elle veut me faire croire en l'amour. Tu comprends un peu, non? C'est un jeu d'esprit. Elle veut me faire croire en l'amour. Non, pourquoi tu ne veux pas te marier? Elle veut me faire. Elle veut tourner pour me faire penser que non, le mariage, il faut que tu penses à te marier, tout. Donc, elle, maintenant, c'est un défi maintenant pour elle de vouloir qu'il fait aimer le mariage. C'est un jeu d'esprit. C'est pas comme si elle pas me marier, mais elle lui dit ça pour que elle puisse avoir envie de me changer. Comme elle dit, elle veut pas me marier, elle veut me convaincre en fait que tu dois te marier. Tu vois un peu, non? Non, ça l'emmène à vouloir me donner. Non, tu sais que non, tu dois avoir des enfants, tant. Elle veut me convaincre que tu dois te marier. C'est là, c'est comme ça que tu prends sa science. Parce qu'il vous a dit quoi? Ce qu'elle ne peut pas avoir, c'est ce qu'elle veut. Elle veut changer mon esprit. Donc, lui, il amène à une position. Non, moi, je ne vais pas me marier. Hein. Non, je ne crois pas en femme, je ne crois pas en l'amour. Parce que les femmes adorent ça. Les hommes qui disent que non, moi, je ne fais plus rien, femme. Hein. Elle m'a trop fait de mal. Elle m'a trop brisé. Quoi. Elle veut te faire quoi en l'amour quoi. Donc, c'est comme ça. Si tu es bien, tu es un bon joueur, tu peux prendre sa science. Si tu es un bon joueur, tu as créé l'attention sexuelle en fait. Mais tout passe par quoi? La confiance en toi. C'est la confiance en toi qui te permet en fait de pouvoir. Regarder une femme dans ses yeux, ta manière de parler, le parfum que tu mets, le type de musique en fait que tu mets, même quand elle est là, ce genre de choses, ça crée la tension sexuelle en fait. Tu comprends un peu? C'est un jeu les gars, c'est un jeu. Si tu n'arrives pas à faire, pratique, la pratique rend parfait. Tout ce que vous dites aussi là, si tu es dans une position où tu sais que non, tu peux pratiquer, pratique en fait. Parce qu'il y a des personnes qui prennent l'arrêt pile mal. Non, moi je suis concentré sur mes affaires, moi je cherche plus femme. Il faut que vous parlez de ça. Moi, je cherche l'argent et je cherche plus femme. Je cherche tant et je m'améliore et je cherche pas femme. C'est vrai que tu ne vas pas chercher femme. Mais le problème c'est que quoi? Certains hommes arrêtent puis ils vous fatiguent. Tu as commencé à comprendre, tu as commencé à connaître la nature des femmes. Donc maintenant tu dis non, tu cherches plus femme quand tu as réussi. Quand tu as réussi, il y a l'homme qui a l'argent qui est toi aussi. Hein. Il faut que tu comprennes ça. Pourquoi est-ce que les femmes qui viennent vers vous, vous n'interagissez pas avec elles? Pourquoi est-ce que les femmes qui viennent vers vous, vous n'interagissez pas avec elles? Parce que vous comprenez mal l'arrêt pile. L'arrêt pile ne veut pas dire que tu n'interagis plus avec les femmes. Suivre ton développement personnel, chercher à t'améliorer ne veut pas dire que tu n'interagis plus avec les femmes. Il y a des femmes qui vont venir à toi, parle avec elles. Il y a des femmes qui vont te dire, ah mais c'est comment, faut qu'on sorte, soit avec elles. L'arrêt pile ne doit pas te couper des femmes. Moi, j'aime les femmes, j'aime l'énergie féminine. Pourquoi est-ce que vous vous enfermez dans des bulles en fait? Parce que laisse-moi te dire que quoi? L'argent que tu cherches là, quand tu vas avoir cet argent que tu cherches là, il y a l'homme qui a plus que toi.
Tu comprends un peu? Donc pourquoi est-ce que tu coupes les rapports avec les femmes? Je comprends qu'il y a une période où un homme veut vraiment se laisser les femmes de côté, il n'y a pas de problème à cette période-là. Mais il y a des femmes qui viennent vers toi. Parce qu'on n'écrit pas sur le front d'une femme que c'est elle. Tant que tu n'interagis pas avec les femmes, là, tu ne peux pas savoir qu'elle elle est bonne pour moi, elle m'apprécie vraiment. Tu ne peux pas savoir. Donc n'évitez pas les femmes qui viennent à vous. N'évitez pas les femmes qui viennent à vous. Si tu es jeune que les femmes viennent à toi, faut interagir avec elles. Ça va te permettre de comprendre ce qui a été dit, d'appliquer. Parce que les gens viennent regarder les vidéos. Dans la vraie vie, ils sont timides devant les femmes. Ils ont peur de prendre les devants. Ils n'ont pas de leadership. Interagissez avec les femmes, les gars. Interagissez avec les femmes. En interagissant, ça te fait comprendre. En interagissant, tu n'as plus en fait de timidité. En interagissant, ça devient facile. Ne prenez pas la red pill et vous enfermez. Non, moi, il laisse les femmes. Les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Non, on aime les femmes. Hein. Non, on aime les femmes. Hein. Après, c'est comme ça que vous faites. Et puis, non, vous allez dans une autre séance. Non, nous, on aime les femmes. Hein. Nous, on comprend leur science. On sait comment dealer avec elles. Ne vous enfermez pas pour dire que non, moi, il parle plus à femmes. Moi, je suis concentré sur mes affaires. Même quand tu as des milliardaires. Il y a les Qataris qui ont l'argent que toi. Ils vont venir prendre ta goût parce que tu n'as pas de game. Le game, ça prend en interagissant. Si tu as 20 ans, tu es dans ta vingtaine, c'est le moment de pouvoir date des femmes. Ça ne peut pas t'empêcher de travailler. Si les femmes t'empêchent de travailler, c'est que tu n'es même pas concentré sur ton travail. Si les femmes t'empêchent de travailler, c'est que tu n'es pas concentré sur ton travail. Utilisez la red pill pour ce qu'elle est. Connaître la nature des femmes ne veut pas dire laisser les femmes, ne plus dealer avec les femmes. Comment vous faites et puis vous n'aimez pas l'énergie des femmes même? Comment vous faites et puis vous n'aimez pas l'énergie des femmes? Paie-moi, il y a donc l'énergie des femmes. Quand ils sont les gros, là, m'appelle. Hé, toi, il faut arrêter tes vidéos. Elle dit non, il arrête pas. Hein. Pour vous aussi, vous n'arrêtez pas. Hein. On rigole, il apprécie ça en fait. Pourquoi vous vous enfermez? Il remarque que vous enfermez. Non, les gros sont comme ci, les gros sont comme ça. Tiens, red pill rage, mon frère. Tiens, red pill rage, tu as peur des femmes. Et les gens couvrent ça, leur peur des femmes. Là. Quand tu as peur des femmes, là, c'est ça, tu dis non, il ne fait rien, ça, tu viens, tu regardes les vidéos de nos limites. Tu penses que tu es alpha, tu n'es pas alpha, hein? Tu es un bêta endurci. Tu es un bêta endurci. L'alpha, il n'a pas de problème à chiller avec les femmes. Allez, fille, on se voit ce week-end, on va parler. Il a des copines. Toi, ta copine, elle mange à rien. Il faut faire ta créer une rencontre, on va partir, c'est bon, on va aller à la plage. Là-bas, tu as coordonné. C'est comme ça. C'est comme ça, tu coordonnes. Pas peur des femmes, parle aux femmes. Les femmes ne peuvent pas vous tuer. Tout ce qu'elle peut dire, non, il est super intéressé, c'est tout. Ne vous enfermez pas dans des bulles. Parce que quand tu n'es pas un gars, c'est chill, tu n'es pas un beau. Les femmes qui viennent dans ta vie, elles ne peuvent pas t'empêcher de chercher femme, de chercher ton argent. Réellement, les femmes qui viennent dans ta vie, elles ne peuvent pas t'empêcher de chercher ton argent. Si tu sais comment gérer une femme, tu sais que, ah, bébé, ce week-end-là, non, je ne peux pas te voir, il y a deux, trois trucs à faire, mais on remet ça à mercredi. Mercredi, on va aller faire un petit truc, on va se voir tout. Ou bien viens à la maison, tu as préparé pour moi. Parce qu'elle ne peut pas sortir actuellement, elle travaille beaucoup. Prenez les femmes comme soyez-il. Une femme ne peut pas t'empêcher de chercher ton argent. C'est que tu n'es pas concentré. Parce que les vrais hommes qui savent utiliser en fait une femme, ils savent dealer avec une femme. Ils savent dire que bon, toi, comme c'est un businessman, tu sais ce que tu as fait. Voilà deux, trois tâches que tu peux faire pour mon père. Tu sais comment utiliser une femme. Si vous enfermez, non, je ne cherche pas femme. Non, je ne cherche pas femme. Tu as peur des femmes. Vous avez peur des femmes. Permets-moi que voir une go dans la rue. Hey, ma petite. Tu es joli, hein? Faut pas faire ça, hein? Faut pas faire ça, hein? Tu as fait prendre ton numéro, hein? Faut pas me fatiguer, hein? Non, faut pas prendre mon numéro, man. Bon, il faut pas ton numéro. Trois points pour moi. Faut prendre pour moi. Si tu m'as appelé, c'est que non. C'est que il te plaît. Et toi, tu me plais déjà, hein? Tu me plais même. C'est comme ça, on fait. Les gars, soyez chill. La red pill, c'est pas pour que vous commencez à vous mettre dans une truc. Soyez chill. Les gars chill, là, ils vont toujours prendre l'ego. Ce sont les gars qui réfléchissent trop. Il faut que je lui dise tant. Les gars, moi, si je ne. Les femmes sont là pour être cherchées. Même si on ne les cherche pas, on a notre technique pour les attirer, mais on n'a pas peur d'elles. On n'a pas peur d'elles. Et c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Je suis fan. Mes livres sont dans la description. Ma formation est là. Pour les gens qui ne comprennent pas là-bas, il y a plus approfondi. Je ne peux pas tout vous donner ici. Et c'est ce qui va faire que peut-être demain, vous n'allez pas me voir parce que je suis en train de balancer les vidéos dans ma formation pour les gars qui ont payé ça. Donc, on est ensemble. Force à vous et on se prend après demain. Je vous aime les gars.